Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo annonce. Ça y est, le tic-tac avance et dans quelques heures désormais, nous serons en 2015. Donc ça sera la dernière vidéo de 2014, putain, quand même hein. On a posté cette année beaucoup plus de 300 vidéos d'ailleurs, hein, beaucoup plus de 300 vidéos. J'espère vous avoir apporté vraiment divertissement et satisfaction encore une fois, que toutes ces vidéos vous ont plu. En tout cas, moi ça me fait toujours plaisir de vous partager ce contenu vidéo lié aux jeux vidéo, etc. Et vraiment, c'est un vrai plaisir. Écoutez, j'espère vous retrouver personnellement en 2015. Moi, pour moi, je serai présent, il n'y aura pas de problème autant sur InReal Game que sur InReal App. Et puis, j'espère que toute cette année va encore vous apporter tout ce que vous avez envie de faire, voilà, tout ce que vous souhaitez pour cette année. J'espère que vos vœux se réaliseront. Moi, le mien, personnellement, c'est de voir IRG toujours évoluer et surtout InReal Apps bien décoller pour cette début d'année parce que c'est un peu notre événement. C'est vrai qu'on a eu pas mal de choses qui se sont déroulées au cours de cette année 2014. On a eu du bon let's play, on a eu des exclusivités, on a eu du direct, si je dis pas de bêtises. On a eu beaucoup de rebondissements. On a eu pas mal de choses en interne comme en externe. On vous a apporté de nouvelles émissions comme des interviews, etc. Et bah écoutez, j'espère que cette année 2015 va être tout aussi florissante de divertissement à vous offrir. Que vous dire de plus que tout simplement, je pense que l'année 2015 pour InReal Game va s'orienter beaucoup plus vers des first level et des gameplay. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Après, bien entendu, je lâche rien en ce qui a été lancé. Bien entendu, IRG VS le reste du monde. Voilà, d'ailleurs, si vous voulez participer, il y a un mail sur la vidéo du premier numéro de IRG VS le reste du monde. Vous pouvez m'écrire, me défier, m'envoyer tout simplement votre liste de jeux et à me dire, bah voilà, moi je veux te défier là-dessus. Si tu l'as le jeu, bah moi je te fais ok, allez, bim, on y va. Petite vidéo sympathique. Et voilà, on a eu l'interview qui a débarqué, donc voilà, on va commencer à vous relancer tout ça. On a eu quoi d'autre? Bah des force level, voilà, qui sont en exclusivité, tout ça. Donc ça, ça va devenir un petit peu plus important, les force level au cours de 2015. Vous avez eu du gameplay lié à ces force level notamment, donc ça aussi, ça va prendre un petit peu plus d'importance. Les let's play, bien entendu, sur Payday 2, je vais jamais le lâcher, ça c'est clair. Les let's play en cours vont être terminés, bien entendu. Et je vais en lancer d'autres aussi, ne vous en faites pas. Il y aura toujours ce système de let's play en arrière-plan quand il va y avoir un jeu qui me plaît vraiment. Et un système de let's play prioritaire parce que, tout simplement, si on tombe sur du Call of, sur du Splinter Cell, je vais pas parler de GTA 5 parce que je compte pas le traiter en let's play, mais si on tombe sur vraiment du gros hit à côté des let's play en cours, bien évidemment, ils vont être traités en priorité, vous en faites pas. Que vous dire de plus? Après, j'aimerais apporter encore beaucoup plus de choses, donc si vous avez des idées, ça me ferait plaisir de les réaliser pour vous, vraiment. J'espère encore une fois qu'InReal Game va encore monter. Là, on est à peu près à 5400 abonnés, si je dis pas de bêtises. Et bah écoutez, j'aimerais bien... Mon meilleur des rêves, ce serait que InReal Game double son nombre d'abonnés, son nombre de vues, bien évidemment. Après, en ce qui concerne InReal App, c'est vrai qu'on a ramené ça là pour le début d'année. C'est vrai qu'InReal Game avait pour ambition dès le début de se propager entre guillemets dans différentes firmes, hein, voilà, InReal Game, InReal Apps, InReal quelque chose, c'était un petit peu l'objectif du truc. Aujourd'hui on est très heureux de vous amener une seconde plateforme de divertissement qui est InReal Apps. Pourquoi InReal Apps? Voilà, parce qu'on pensait réellement toucher une autre source de public, voilà, parce qu'aujourd'hui tout le monde joue sur des smartphones ou des tablettes, que ce soit dans les transports, que ce soit entre deux cours, que ce soit en pause, peu importe, on est toujours un doigt sur un téléphone aujourd'hui, c'est devenu un réflexe, c'est devenu même très important, et je me demande même ce qu'on serait si nous n'avons pas de téléphone ou de tablette entre les mains en ce moment même, voilà, franchement. Donc du coup, ça me fait plaisir de vous apporter quelque chose dans ce sens, et vraiment j'espère que vous aurez vraiment satisfaction à voir ces émissions
Et je tiens à préciser encore une fois, si vous voulez me faire un petit cadeau de Noël, abonnez-vous là-bas, vraiment, parce qu'on a vraiment, vraiment besoin de vous pour lancer ce projet. Tout dépend de vous, moi je vais vous apporter le contenu, mais aujourd'hui tout dépend réellement de vous pour lancer ce projet dans le bon sens dès ses débuts, tout simplement. Et c'est ces débuts qui vont marquer le reste de cette courbe pour Inreal Apps, voilà. Bon, bah écoutez les amis, encore une fois, bonne année 2015, j'espère... vraiment être à la hauteur de vos espérances en tout cas, et puis je vous dis à bientôt avec grand plaisir, que ce soit sur l'une des plateformes d'Inreal. Waouh. Allez, ciao.